Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plateforme sur un nouvel épisode de Moonrise. Donc nous y allons, nous nous lançons dans la partie. Nous récupérons un petit peu d'argent apparemment. Voilà. Nous regardons les différentes quêtes, on n'a pas d'optional. Si, on a deux optionales. Recruit one Pastor Claw, d'accord. Ok, bon bah on va aller se faire les Gazira Mines, chers amis. Dans le désert de Daharan. Voilà, Gazira Mines. Enter the Mines. Niveau 2. On est parti, let's go! Voyons voir où ça nous mène. Ça me permet de... Ah, je me suis trompé de bouton. Oui, je suis comme un trou du cul. C'est pas grave, bon, on y va. Lançons-nous dans cette histoire. D'accord. Ok, bon bah ça devrait être assez simple cette histoire. Tiens c'est marrant, j'ai l'impression que la touche a changé. Les touches ont changé, il y a dû y avoir une mise à jour entre temps. Et je ne l'ai pas vu venir. Donc, apparemment ils ont décidé de mettre l'attaque signature du monstre en première place à gauche. Pourquoi pas. Sisle qui continue à grimper un petit peu. C'est parfait. Hop, un coffre qui possède donc, enfin qui intègre élégante amulette et raw totem. Pourquoi pas? Ça y est, on y va, un combat. C'est parti, le petit salut. On va envoyer ça, on va envoyer... Ah non, tiens, on va envoyer lui et lui. Blim. Blim. Et blim. D'accord, bah ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Dismiss, dismiss. Hop. Ça semble plutôt efficace. Toujours ça, c'est sympa. Et le dernier petit combat de la zone. Hop. On va envoyer encore une fois seulement 6 slugs pour la forme. Hop. Voilà. Parfait. Dismiss. Alors moi entre temps chers amis, je suis en train de regarder plus ou moins sur Google s'il y a moyen d'avoir l'évolution de Slislug, qui apparemment est très prisé dans les grosses équipes hein. Hop. Mais il a pas encore sa... Sa comment dire sa... Sa... Ça, comment son truc d'évolution complet en fait sur le site du wiki. Voilà qui devrait suffire. Voilà. Normalement, c'est bon. Ensuite, nous allons nous rendre au niveau 5, si je me trompe pas, pour avoir le Pester Claw. Et le clos, bah l'autre truc là, les deux crabes en fait tout simplement. Win, pourquoi pas. Je win toujours de toute façon. C'est parti. Il y a un joli petit pantalon. Manage inventory, comme toujours on a trop de choses. Purifying Splash, Purifying Splash, voilà déjà ça, on peut vendre. Celle, voilà. Waouh! Ça m'a été plus utile que les leçons à l'académie. Merci encore, Marcus. Mais de rien, J-Way. Alors, ça a été amusant et je pense que je... Qu'on a tous grandi un petit peu. Mais peut-être qu'il est temps de tout regrouper.
Cette histoire, l'histoire que je suis en train de sur laquelle je suis en train de travailler, ne va pas s'écrire toute seule. D'accord? C'est goodbye to Agatha at the Gateway Gazole. Ouais, bah ça pour l'instant c'est pas pour tout de suite. On va faire le niveau 5 pour chercher les Pester Claw et l'autre truc. Et le Amber Claw si je me trompe pas. On y va. Ici. Combat. Bon, pourquoi pas. Ah. Encore de quoi faire évoluer notre Slyslug. J'arrive à le dire maintenant. C'est cool. J'en profite. Encore avoir rien vu venir. J'ai presque cru que ça allait suffire, pour être tout à fait honnête. Parfait. Dismiss, dismiss. Hop. Délibérate smash 30 à 30-36 pour 45 de dégâts. C'est long. C'est long. C'est long. Ah mais ça stun, ça qui est chiant. Tant pis. Je le remplace, j'extrais au cas où qu'on veuille récupérer cette technique et lui remettre dessus, mais ouais. Il y a des doutes, il y a des doutes. C'est dommage. Bon, voyons voir la suite. Hop les, c'est parti. Quick Splash! Ah, il lui manque rien, hein, niveau puissance. Mais bon, ça suffit. C'est parfait. Du smith, hein, comme d'hab. Hop! Parfait. Warden Key, c'est génial. C'est justement ce dont on avait besoin. On va prendre celui-là. Ah, je pensais avoir le j'espérais avoir le comment le coffre avant d'avoir la fin du comment de tous les combats. Et ça se trouve il n'y a pas de coffre tout simplement. Mince, je me plante dès le début. Hop là. Est-ce qu'il ira plus vite? Non, il ira pas plus vite. Oh, boum boum boum. He shot me down, bang bang, I hit the ground, bang bang, my baby shot me down. Bon, ça c'est fait. Non, je ne veux pas de vous. Hop. Celui-ci, et c'est toujours pas le coffre. J'ai hésité, j'aurais pas dû. Oh, oh. Peut-être qu'on va pouvoir le capturer avant. Donc c'est pas Ember Joe alors. Mais bon, c'est pas. Non, peut-être pas. Réfléchis, Marcus, 2 secondes. C'est pas mal. Alors il est très très bon avec les Chain Lightning, je vous rappelle, hein. Donc autant tenter le coup, têter le cul, têter le sein, tout ce que vous voulez. Je sais pas comment on peut têter d'un cul, mais enfin bon, c'est pas grave. Je suis en plein AVC, ce n'est pas grave. Mis à part ça, tout va bien. Hop. Parfait. Oh, il était... Je sais plus si j'en ai un 3, je vais le prendre. Et lui, je le prends parce qu'il m'en faut un. Parfait. Toi, je sais pas si j'en avais un 3. Alors. Continue. Fearless Rush. Ah, je déteste cette technique. Don't learn.
Voilà, et le petit coffre. Allez. Oh, il n'y a pas eu de coffre! Je suis vexé. Je l'attends depuis le début et il n'y en a pas eu. Je suis vexé, chers amis. Oh, t'entends de la grosse. C'est pas grave. Alors. On a un qui a survécu. Normalement, ça devrait le finir là. Bim! Voilà. Alors. Crac, crac, crac. Parfait, et normalement le boss c'est là qu'on va tomber donc sur le deuxième, normalement le type O, voilà. Et bim! What? Slislug? Qu'est-ce que t'as fait à Slislug? Vilaine! Vilaine, la vengeance! Vengeance par le feu, chers amis. J'annonce, ça va chier. Bim, merci. Merci, Edgelock, pardon. Je vais dire Edgelock. What? Fire immune? Bah, je suis baisé. Bon, bah, rentre. Merci. Merci, Marcus, d'avoir fait le boulot. Et oui, je te capture même si t'es un connard. Toi, je te capture pas, par contre. J'en ai déjà eu un comme ça. Un seul me suffira. Alors. Oh, ce pantalon, je sais pas en combien. Oh, néon. C'est marrant, ça, comme couleur. Si jamais j'ai un gilet de sauvetage, je le mettrai. Moi. Sel. Allez, pardon. Ça. Clean Sally, Clean Sally. Nitro New Wall, oh putain, j'en ai un paquet. Sel, voilà, ça fait des sous ça. Hop là, toujours pas? Ah oui, Gear Inventory. Tac, tac. Bon bah voilà, j'en ai déjà une. Non, pas équipe, mince. Magma Strike, ouh. Non, je vais plutôt utiliser Crushing. Ah, attendez, c'est quoi ça? Ah, j'aimerais bien. Major Relic, bah, je vais mettre ça, tiens. Niveau 20, ça vaut peut-être le coup, hein. D'accord, c'est la même. Ah, c'est comme là, c'est naze. Ça, c'est naze. Ça, c'est naze. Ça, c'est naze. Ça, c'est niveau 9, niveau 9. Niveau 11, ouais, message de la garde. Bon, alors là, j'ai 36 000 fois le même pantalon. C'est joli, ça, dis donc. Faudrait que j'aille voir ça. Voilà! Wow, bien joué! Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va. Ça a pris un petit peu de temps, mais tu as probablement trouvé plein d'autres choses dans ce donjon pendant que tu y étais. Honnêtement. C'est l'autre raison d'avoir un permis. Permis. Ah non, des permissions. C'est l'autre raison d'avoir des permissions. Ou d'avoir un permis, justement. Parce que la guilde a réalisé que certains gardiens étaient en train d'ignorer un peu leur responsabilité pour aller voir dans les donjons en tant qu'encore et toujours. D'accord, donc pour être gardien, il faut un permis. Enfin, pour avoir les donjons, il faut avoir un permis. Et donc, il faut être gardien, ce qui oblige en fait un petit peu à respecter les responsabilités. D'accord. J'imagine. Sinon, bah, dites-moi ce que j'ai fait de mal en fait. Ok, retourne to Gateway. Gateway, Gateway. Alors d'abord, on va aller voir moi. J'ai un nouveau Solari. Ah bon? Ah oui, Cloburn. Ah oui, Kindle Oof, j'en avais un niveau 3.
Oh, ça lag. J'ai du mal à croire que ça lag autant. Hop. Fire! Bah, j'en ai deux, trois étoiles. Bon, bah écoutez. On verra ça une prochaine fois. On va quoi que. Release. Gift Guild. Qui me donne un fashion token venu de nulle part. Venu littéralement de nulle part. Donc ça c'est tous les 4 étoiles que j'ai, non? Non, voilà, il y a d'autres 3 étoiles. D'accord. Ah, par exemple, Pester Claw. Venom Dust. Bon, pourquoi pas. On va y tenter notre chance malgré tout, hein. Hop. C'est parti. Baggy jean, leather vest. En plus, elle est très très moche. Bon, on va aller voir ça vite fait. Et ensuite, on met fin à l'épisode. Non, c'est pas dans Gear, c'est justement dans Style. Alors, j'avais vu autre chose un peu plus bas. Ça. Ah oui, en fait, c'est pas si stylé que ça. Quoique. Quoique. Ah si, j'avais pas vu un truc. Genre, il y a un truc qui est tout moche en dessous qui reste marron. Je crois que c'est ça en plus. Et du coup, si je mettais ça en vrai marron, ou en rouge, ouais, non, rouge c'est moche. Néon c'est encore plus moche. Pourquoi pas? Oh là 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 là. Et en pantalon, j'ai quoi avant de mettre une connerie, de faire une connerie? Ouais. Je pense qu'on va laisser tomber. Avoir la barbe rouge ou la barbe violette, mais c'est cool ça. Ouais. Minor relique, j'ai quoi? J'ai la foudre, ça c'est quoi? D'accord. Intéressant aussi. 106, 78. Elle est cool celle-là parce que vous voyez, elle a Fast Cast One. Par contre, celle-là, oui, elle augmente juste mon attaque comme un truc de fou. Mais alors, sinon, pour le reste, Spirit. Ah, c'est bizarre, hein. C'est bizarre celle-là, elle est bleue. De qualité supérieure. Bon, on va équiper ça. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez trouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!